une grande série sur l'épître de Paul aux Romains, C'est 16 chapitres, on va y aller section par section, on commence cet automne avec huit prédications, on va couvrir les trois premiers chapitres. Vous savez, au portail, on aime prêcher des livres bibliques et souvent on couvre beaucoup de terrain et avec Romains, on veut prendre notre temps. Donc, j'évalue que ça va être environ de 35 à 40 messages sur deux ou trois ans, donc pas nécessairement ah, donc, on va commencer avec huit messages, on va prendre une pause tranquillement, mais c'est important de prendre le temps dans l'épître de Paul aux Romains, c'est ce qu'on appelle le Manium Opus, le chef-d'œuvre de l'apôtre Paul, pour que tu comprennes. L'église de Rome a été implantée suite à la Pentecôte, où il y a des gens de Rome qui étaient là, qui ont reçu Jésus, sont retournés à Rome, ont implanté une église. L'apôtre Paul, 25 ans plus tard après 10 ans de ministère, après avoir annoncé la bonne nouvelle, l'apôtre Paul veut aller porter une collecte à Jérusalem. Donc, il fait une collecte de toutes les églises parce que les croyants de Jérusalem sont particulièrement persécutés, donc une persécution économique. Il veut aller à Jérusalem, ensuite veut se rendre en Espagne pour aller là où le nom de Jésus n'a jamais été prêché et en passant veut arrêter à Rome. Rome est une grande église, une église florissante, mais une église où euh, il y a toutes sortes de, de, de débats théologiques, une église multiethnique, où il y a des gens qui euh, croient différentes choses sur l'Évangile, sur Jésus. Et avant d'arriver, l'apôtre Paul écrit son épître. Et ça va devenir, et c'est Luther qui va dire que c'est l'épître principale du Nouveau Testament. Calvin va dire que c'est la clé, l'épître aux Romains est la clé pour comprendre la Bible. Euh, je lisais un commentaire qui est considéré comme le meilleur commentaire sur l'épître aux Romains cette semaine, et ça commence en disant que Romain est la quintessence et la perfection de la doctrine du salut. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça devrait être intéressant. Et réponds, pas à cause du prédicateur, mais à cause de l'auteur. C'est Piper qui va dire que l'Épître aux Romains est le traité théologique le plus important du christianisme. Piper va dire qu'il n'y a jamais rien de plus important qui a été écrit par des chrétiens pour des chrétiens. Et même des historiens vont dire que Romains est un des ouvrages les plus influents de la civilisation occidentale. Et pour comprendre, ce livre-là a bouleversé une vie cet homme-là a changé le monde. Et j'aimerais parler de Martin Luther. Et plusieurs, tu connais Martin Luther King, mais c'est pas de lui qu'on parle. Lui tire son nom d'un Allemand qui a vécu au 16e siècle, donc au début des années 1500. Martin Luther est un moine, est un moine qui, qui, qui prend vraiment la religion au sérieux, mais c'est quelqu'un qui, malgré sa religion, a peur de Dieu, il a peur de la mort. Malgré que c'est quelqu'un qui prêche à l'Église, euh, il a peur de la mort, il a peur de l'enfer, il a peur du jugement de Dieu. Et à un moment donné, il doit enseigner l'Épître aux Romains à l'université. Et le paradoxe, à l'époque, en Occident, tout le monde est dans l'Église catholique. Le paradoxe, c'est que beaucoup de prêtres sont formés dans la théologie de l'Église, mais très peu dans la Bible. Moi, j'ai un ami qui est un prêtre qui me disait Guétan, est-ce que tu as des clés pour m'aider à, à comprendre la Bible? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de théologie au grand séminaire, mais on ne m'a pas appris la Bible. Et il y a des gens comme ça qui, qui, qui enseignent la Bible sans connaître la Bible. Et on a un Martin Luther qui est un moine qui doit enseigner, là, il doit enseigner romain, et il y a un verset qui va le hanter. C'est dans le premier chapitre, le verset 16, qui dit, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. » Et ce qui va le hanter, c'est le verset 17, « En effet, la justice de Dieu se révèle par la foi » Et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et Martin Luther est paniqué parce que ça lui dit que l'Évangile révèle la justice de Dieu. Il comprend que Dieu est juste et que lui, malgré ses bonnes œuvres, il n'y arrive pas. Il a peur de faire face à Dieu lors du jugement dernier. Et Martin Luther voit sa vie comme plusieurs de personnes au Québec, comme euh, la balance. Pour lui, il y a sa balance des bonnes œuvres. D'un côté, il y a la justice de Dieu qui est un bloc de 10 tonnes. Et alors qu'il fait des prières, il met un petit caillou. Alors qu'il fait du bien, il donne un petit caillou. Alors qu'il donne un peu de nourriture aux pauvres, il donne un petit caillou. Et Martin Luther réalise que ces petits cailloux ne peuvent pas faire ne font pas le poids par rapport à la balance de la justice de Dieu. Il est terrorisé jusqu'au jour où il comprend que le verset dit ensuite La justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit Le juste vivra par la foi. Et à ce moment-là, il a compris. et Reste avec moi, c'est tellement important. Il a compris que le salut n'est pas par les œuvres, mais par ta foi en Jésus. Ça a changé sa vie. Non seulement ça a changé sa vie, ça a changé le monde. Et le slogan de Martin Luther, de ceux qui ont suivi, qu'on appelait les réformateurs, qui ont voulu réformer l'Église, c'était sola fide. Ça veut dire la foi seule. Pourquoi Dieu va te faire rentrer au ciel? Pas par tes bonnes œuvres, pas par tes mérites, par ta foi seule dans l'œuvre de Jésus. Et ça s'appelle la justification par la foi. Et, et Romain va en parler abondamment, on va y revenir. Mais je vais commencer juste une petite, un exemple que j'aime donner, surtout pour nous, ceux qui nous visitent, pour que tu comprennes, c'est quoi la, la justification par la foi? Euh, le mal à Guardia durant la, 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 les années 30, après la Grande Dépression, la crise économique. Bon, c'était un mal. Puis à l'époque, le maire fait un petit peu tout. Et à un moment donné, un soir d'hiver va, se rend au tribunal et dit au juge Je te donne une soirée de congé, je vais, je vais m'occuper d'exercer la justice, donc tu peux y aller. On amène devant lui une femme qui comparaît une dame âgée, qui a volé un pain. Et euh, elle dit Parce que ma fille est malade, mes petits-enfants n'ont rien à manger, j'ai volé un pain. Et le boulanger refuse de lever les charges, donc on doit la présenter devant le mal à la Guardia. Et ce qu'il lui dit, Madame, j'ai plein de compassion, mais je comprends, mais la loi, c'est la loi. Vous avez volé un pain et je dois vous condamner à 10 En 1930, c'est beaucoup d'argent. Et là, elle éclate en sango en disant Mais, mais je ne peux pas payer 10 je, je, la, Si j'avais 10 dollars, j'aurais pas volé un pain. Il lui dit, ben « c'est 10 dollars. » ou La loi dit, « C'est 10 jours de prison. » Il dit, « Non, mais vous ne comprenez pas. Je n'ai pas 10 dollars. Mais si je suis 10 jours en prison, qui va s'occuper de mes petits-enfants? Ils, ils vont mourir. » L'histoire nous dit que le juge de la Guardia s'est levé. Il a dit, « En tant que juge, je vous condamne à payer l'amende selon la loi. » Il a enlevé sa cette, toge. Il a pris un 10 dollars. Il dit, « En tant qu'ami, je paye pour vous. » Et c'est ce que Dieu a fait face à la justice de Dieu nous sommes coupables mais il a envoyé son Fils le payer la dette de notre péché pour nous. Alléluia. C'est donc on est déclaré juste par la foi que nous mettons en Jésus et c'est pourquoi on le voit dans le Nouveau Testament le mot préféré pour désigner le christianisme c'est l'Évangile l'Évangile qui est une bonne nouvelle vous savez J'hésite à employer le mot évangile parce que plusieurs chrétiens, ça fait des années, tu es dans l'Église, puis tu penses que tu comprends l'Évangile. L'Évangile est devenu un synonyme de, du christianisme évangélique, mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, même quand tu regardes dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, 127 fois, on parle de la bonne nouvelle. Et souvent, même les chrétiens ont de vue. La bonne nouvelle. L'apôtre Paul va commencer en expliquant à l'Église de Romains, puis il y a des chrétiens là-dedans, il y a des gens qui sont chrétiens depuis 25 ans, puis il va recommencer en leur disant c'est quoi l'Évangile. Puis on a besoin de se rappeler, toi qui suis Jésus, est-ce que Jésus est toujours une bonne nouvelle dans ta vie? Et c'est ça qui définit le christianisme. Il y a des gens qui arrivent ici et pour toi tu vois la religion comme quelque chose de mort, d'aride, d'austère, de, de sévère. Jésus est venu nous offrir une bonne nouvelle. Les chrétiens devraient être les gens les plus joyeux sur la terre. Notre vie n'est pas parfaite. On est malade. On vit des crises, on vit des défis, mais nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est quoi une bonne nouvelle? Lorsque j'étais, j'avais, je pense, 6 six ans, 6-7 six, ans, j'habitais avec ma mère. Mes parents sont, sont divorcés quand j'avais 5 ans. Et j'habitais dans un quartier Rosemont, dans un sous-sol avec ma mère et ma sœur. Euh, euh, vraiment, un, un, vraiment un logement délabré. Okay? Il y avait des coquerelles, il y avait des souris, c'était sale. Puis ma mère était agoraphobique, maniaco-dépressive, elle était, souffrait de santé mentale, elle ne pouvait pas s'occuper de nous, elle ne pouvait pas s'occuper de la maison. Donc, on vivait dans un, un milieu quand même qui n'était pas très salubre. Okay? Et à un moment donné, euh, notre espoir, c'est qu'une de mes tantes, avait à Montréal, elle avait un, un immeuble avec trois logements, puis elle a dit... Un jour, quand j'ai un logement qui va se libérer, en fait, elle, elle habitait au premier étage, ma grand-mère au deuxième, bien, elle dit « Lorsque le logement du troisième va se libérer, je vous le réserve. » Pour nous, ça, c'était la meilleure des nouvelles parce qu'on se disait « Wow! » Premièrement, on va avoir un, un meilleur quartier, on va avoir un logement propre, et de manière un peu, on ne le disait pas comme ça, mais on sait qu'on va avoir un encadrement familial, on va avoir des adultes responsables autour. Donc, pour nous, c'était vraiment la, 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 la grosse nouvelle qu'on attendait. On attendait ça, c'était pour changer notre vie. Et un jour, ma mère reçoit l'appel, et je vois dans son visage qu'il y a une bonne nouvelle. Elle raccroche, puis elle dit à ma soeur à moi, puis à ma, soeur, à ma soeur et à moi, elle dit On déménage Là, là, on est comme on est content, on est content. Ben, elle me dit Chut, mais il ne faut pas le dire à personne! Pis je ne comprenais pas pourquoi. pourquoi on a déménagé pendant la nuit, puis tout ça. À ce jour, je ne comprends pas pourquoi. Ben, elle me dit, mais il ne faut pas que tu le dises. Donc... Puis il y a les voisins, puis ne faut pas, parles en pas aux voisins, là, tu dis rien. Puis je me souviens, c'est comme si c'était hier. Elle me dit Est-ce que tu peux sortir les poubelles? Fait que là, je sors les poubelles. Quand je reviens, le téléphone sonne. C'est la voisine d'en haut. Puis elle dit à ah, ma mère Elle dit Comme ça, vous déménagez. <laughs> ma mère accroche. Et là, ma mère elle commence à me chicaner. Je t'ai dit de ne pas le dire. Ça t'a pris comme 20 secondes, puis déjà, tout le monde le sait. Mais je dis Maman, je ne l'ai pas dit. Elle dit, mais comment ça se fait que la voisine le sait si tu l'as dit à personne? Il n'y a personne qui le sait. Voici la vraie histoire. Je suis sorti avec les poubelles. Puis moi, ma mère, elle me dit de pas dire, je ne vais pas le dire. Mais j'étais tellement content. J'ai déposé les poubelles. Puis j'ai dit, oh, déménage! Puis je suis rentré. C'est comme ça que la voisine le su. Mais je pas dit. Est-ce que des gens qui sont à nous déménageons en Jésus, on est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la médiocrité à la gloire? L'Évangile est une bonne nouvelle et l'apôtre Paul dans Romain, il veut l'expliquer. Et la première chose, il explique, qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Vous savez, j'ai lu qu'il y a un médicament qui s'appelle le Zolzensma. Je sais qu'il y a des médecins, infirmiers, peut-être vous le savez, là. C'est le médicament le plus cher au monde. Une dose, ça vaut presque 3 millions. Une dose, 3 millions. Imagine quelqu'un vient te voir et dit Voici le Zoldian Smart. Pardonnez-moi, je n'ai pas le bon mot, là, mais ça ressemble à ça. Okay? Il y a trois lettres qui sont à peu près pareilles. On te le donne. Tu vas te dire oh, Ça fait quoi comme... J'ai un médicament. Quelqu'un te dit J'ai tout vendu, j'ai acheté ça, ça m'a coûté 3 millions. J'ai vidé mes réels, j'ai vendu ma maison, puis je te le donne. OK, mais ça ne change pas ta vie. Puis souvent, quand on entend l'Évangile, c'est que la... Jésus est mort pour moi, pour me sauver. C'est comme ce médicament il y a un prix précieux, mais on ne réalise pas. Mais si la personne te dit, j'ai eu accès à ton dossier médical, tu as une maladie génétique rare, tu vas mourir bientôt, ce médicament va changer ta vie, va te sauver, tout à coup c'est une bonne nouvelle. Quand on réalise que nous avons une maladie spirituelle, génétique rare, le péché qui nous ronge, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie abondante et la vie éternelle, c'est pourquoi Jésus est une bonne nouvelle. Donc sans plus tarder. Romains verset 1 à 7. Donc Paul commence en expliquant qu'est-ce que l'évangile. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu littéralement. Cet évangile Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures, il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour mener son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Paul va expliquer, puis je vous rappelle, il y a des gens là-dedans, ça fait 25 ans qui suivent Jésus, et va leur expliquer, c'est quoi l'évangile en commençant, voici qui est l'auteur de l'évangile. Paul commence en disant, Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Les chrétiens, le christianisme n'est pas basé sur un message humain, sur un évangile humain, mais sur l'évangile de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs bonnes nouvelles dans notre monde, et les bonnes nouvelles de notre monde ne sont pas les bonnes nouvelles de Dieu. Il y a quelques années, j'avais entendu le, le, le coach de LeBron James lorsque son équipe perdait 3-1 en finale. Et finalement, LeBron avait, avait remonté, avait remonté et avait remporté le championnat. Puis ça avait été vraiment quelque chose de phénoménal. Et, et le coach pour expliquer les succès de son équipe avait dit :« Vous savez, il arrive de bonnes choses à de bonnes personnes. Il arrive de grandes choses à de grandes personnes. Ça, c'est la bonne nouvelle des humains. La bonne nouvelle de Dieu. » C'est qu'il te donne de bonnes choses alors que tu ne le mérites pas. Il donne de bonnes choses à de mauvaises personnes. Il donne de bonnes choses à des personnes brisées. Il donne de bonnes choses à des gens dysfonctionnels. Il donne de bonnes choses à des gens blasés, à des gens déprimés. Notre Dieu donne des bonnes choses à des gens qui ne méritent pas. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Et Paul dit, j'ai été mis à part pour cet évangile. OK. Qui ici, lorsque vous mangez des Smarties, vous gardez les bruns pour la fin? Levez la main. Lève la main. Personne, je suis seul qui fait ça. Ok, qui lorsque vous mangez des jelly beans Non, vous mangez pas de bonbons, vous mangez juste la salade Qui ici lorsque vous mangez des jelly beans, vous gardez les noirs pour la fin Vous gardez ce que personne veut les petits bonbons à la Nes? là. Notre Dieu, alors qu'on ne ménérite pas, il nous met à part. Soit qu'il nous met comme les, les petits, les petits Smarties au chocolat, ou encore alors que des gens autour de toi qui ne te veulent pas. Dieu te veut, il te garde, et tu es précieux. Le Paul dit mis à part. Il dit apôtre. C'est quoi un apôtre Littéralement, un apôtre c'est un envoyé. Et les apôtres dans le Nouveau Testament avaient il y a trois qualifications pour être apôtre. Donc quand quelqu'un dit apôtre aujourd'hui là. Il y a trois choses. La première chose, tu devais être témoin oculaire de la résurrection de Jésus. Merci, bonsoir, on passe à l'autre point. Okay? Deuxièmement, il y avait des miracles. Et troisièmement, tu avais la révélation de la bonne nouvelle, donc, qui est devenue la Bible. Maintenant, Paul est apôtre. Pourquoi nous ne croyons plus qu'il y a des apôtres aujourd'hui? Parce que les apôtres ne sont plus nécessaires. Exemple, OK. Vous savez, il y a des métiers disparus aujourd'hui. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait des crieurs. Un criard, c'est. Quelqu'un était au carrefour et criait les nouvelles. Donc, imagine, tu termines, on termine l'église, tu es au coin de Justin et d'Agenais. Là, tu as quelqu'un qui se promène et il dit L'inflation est à 4 l'inflation est à 4 Canadien a perdu 2 1 hier. Canadien a perdu 2 1 demain, 18 degrés, nuageux. Tu vas dire Qu'est-ce que tu fais Mais moi, je suis un criard, tu mais ce n'est pas nécessaire parce que ça existait dans le temps. Mais maintenant, nous avons tous accès à ces nouvelles. Les apôtres ne sont plus nécessaires parce que nous avons tous accès à la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui. Et Paul dit serviteur. Wow. Le mot serviteur, tu as déjà entendu en grec, c'est doulos. Ce qui définit le chrétien. Alors qu'une bonne nouvelle. Mais c'est tellement la meilleure des nouvelles qu'on donne notre vie pour cette bonne nouvelle. Le mot serviteur en grec, ce n'est pas «prosperitos», «toujours en santos», «jamais de problemos», «doulos», «doulos». Nous avons une bonne nouvelle qui est assez robuste pour les difficultés, les difficultés de ce monde. Et Paul dit, commence «auteur de l'évangile», et ensuite «l'annonce de l'évangile». Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Ce n'est pas un message qui a évolué, qui a été modifié. Ça a toujours été le message de Dieu. Vous savez, avez-vous remarqué aujourd'hui, la science, c'est la science. La science. Ça se base sur des, sur des données objectives. Avez-vous remarqué même dans la science, il y a des choses qu'on considérait, qu considérait scientifiques autrefois, puis la science change. Exemple. Moi, lorsque je suis né, mes parents, puis plusieurs d'entre nous, là, ceux de ma génération, de 27 à 32 ans, <laughs> moi, mes parents m'ont couché sur le dos. Qui ici, lorsque vous avez des enfants, les bébés, là, vous les couchez sur le dos? Hein, on disait, il faut que tu le couches sur le dos parce que si tu le mets sur le ventre, il peut s'étouffer. Donc, plusieurs, lève la main, assume-toi, plusieurs personnes. ok. Après ça, dans les années 80, on dit, non, 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 non il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas le coucher sur le dos, il faut le coucher sur le ventre. Parce que s'il régurgite, il ne faut pas qu'il s'étouffe. Donc, qui vous avez couché vos enfants sur le ventre? Levez la main. a okay, plusieurs personnes. Là, dernièrement, on a dit non, 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 c'est pas ça, il faut le coucher sur le côté. <laughs> qui vous avez couché vos enfants sur le côté? Levez la main. Est-ce qu'on s'entend qu'un bébé c'est précieux et on n'est même pas d'accord? Il n'y a rien de plus précieux qu'un enfant, puis on donne des conseils. Ça, ça, ça devrait être béton, puis déjà ça, ça change, ça évolue. La bonne nouvelle de Dieu ne change pas, elle demeure éternellement. Elle est encore vraie en 2023. Vous savez, ce livre-là a été écrit sur une période de 1500 ans, trois continents, 40 auteurs, trois langues différentes et un seul message Nous avons besoin du Sauveur Jésus-Christ. Il continue en disant justement, après l'auteur de l'Évangile, l'annonce de l'Évangile, l'accomplissement de l'Évangile, versets 3 et 4. L'Évangile concerne quoi Il concerne son Fils. Né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Cette bonne nouvelle, elle concerne la personne et l'œuvre de Jésus. Et Paul dit, ça concerne son fils. Pourquoi la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu? Pourquoi Jésus a dit qu'il est fils de Dieu? Hein, ça ne veut pas dire que le Père a créé le fils, parce que Jésus est Dieu éternel, donc il n'a pas été créé. Pourquoi il est fils? Une petite fille qui demande à sa maman, elle dit Maman, a dit, comment est-ce qu'on on, est, qu est arrivé sur la terre? Ben, elle dit ben, Dieu a créé Adam et Ève, puis Adam et Ève ont eu des bébés, puis nous, on est arrivés. Après ça, elle va voir son père, puis elle dit Papa, comment est-ce qu'on est arrivé sur la terre? Il dit ben, Nous, on descend du singe, les singes ont évolué. À un moment donné, ben, nous, on a on évolué, puis à un moment donné, on est devenu des singes, puis on est devenu des humains, puis c'est comme ça qu'on est arrivé sur la terre. La petite fille retourne voir maman. Elle dit Maman, là, ça ne marche pas. là. Elle dit Toi, tu me dis qu'on a été créé par Dieu, puis papa, il me dit qu'on descend du singe. La maman elle dit C'est simple. Elle dit Papa, il t'a parlé de sa famille à lui. <laughs> Fils de Dieu, Jésus a la même nature que le Père. Okay, puis, en, en 17 secondes, c'est important, là, ok? Nous croyons, la Bible dit des choses, plein de choses différentes. Comment est-ce qu'on en arrive à la Trinité? La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens n'adorent pas trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. L'affaire, enfin, la Bible dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, puis l'Esprit est Dieu. Et la Bible dit que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, puis l'Esprit n'est pas l'affaire. Donc, ce que la Bible dit, il y a un seul Dieu en trois personnes. Jésus est pleinement Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit hein, Jésus n'est pas une manifestation du Père. Il a dit Je suis dans le Père, le Père est en moi. C'est ce que Jésus va dire. Donc, Paul dit ça concerne son Fils. Le christianisme s'appuie sur le Fils de Dieu, né de la descendance de David selon la chair. Et ce Fils de Dieu s'est incarné il a pris notre nature et a marché sur la terre. Ça s'appelle l'incarnation. C'est pourquoi la Bible va dire dans Philippiens que Jésus s'est dépouillé. En revêtant notre humanité. Comment c'est possible de se dépouiller et de revêtir notre humanité? Est-ce que Jésus s'est dépouillé de la divinité? Est-ce que Jésus a cessé d'être Dieu? Non. Ça veut juste dire que Jésus, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu de toute éternité, la parole éternelle, a revêtu notre humanité un peu comme. Vous savez, j'ai déjà mentionné que je travaillais dans un. Puis il y a des frères et des sœurs qui travaillent dans un, des, des centres pour itinérants. Puis je me souviens d'avoir vu un itinérant qui, qui, qui… Vous savez, des itinérants, il y a différents niveaux, puis il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont dans la rue, puis ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pris une douche. Puis il y en avait un, vraiment, son manteau, il sointait, là. Puis je devais le réveiller pour… Bon, il y avait, il y avait un rendez-vous, tout ça, puis et, et j'étais incapable de le toucher. Peut-être que tu vas me juger, là, mais j'étais comme… Ça bougeait, là, puis ça sentait mauvais. Et simplement de m'imaginer de toucher son manteau me levait le cœur mais simplement de mettre son manteau. On ne réalise pas ce que ça coûtait au Fils de Dieu pour revêtir notre humanité. Jésus a marché sur cette terre. Et ce Jésus, il est le fils de David. C'est-à-dire, le fils de David, c'est le Messie qui apporte la solution à tous nos problèmes. Dans les années 1800-quelques, vous savez, pour les, les, où il y avait les chutes Niagara, on ne pouvait pas traverser du côté canadien au côté américain. que Si tu as déjà été aux chutes Niagara, là, tu comprends, tu as les chutes, puis pour traverser, c'était vraiment compliqué parce que en bateau, il y avait tellement de courant que les bateaux souvent se faisaient briser. Et là, un jour, on s'est dit, ça prend un pont. Comment avoir un pont entre le Canada et les États-Unis? Donc, un pont en haut des chutes Niagara, c'est n'est pas possible. Et l'idée, quelqu'un a dit, mais il faut simplement tendre un câble. Mais. On a tenté de prendre un câble, on l'a mis dans un bateau, mais le bateau a fait naufrage. Il y a trop, 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 trop de courant, trop de pression. Donc, on est mal pris parce que la base du pont, il faut qu'on commence par être capable de tirer un câble. Si on a un câble, après, à partir de là, on va être capable de bâtir quelque chose. Et l'ingénieur en chef a eu une idée. Il a lancé un concours de cerfs-volants. Et comment est-ce qu'on a bâti le premier pont? Ça, c'est de l'histoire. Le premier pont sur les chutes Niagara, comment est-ce qu'on l'a bâti? On a pris un cerf-volant, on a attaché une corde, on a fait voler le cerf-volant de l'autre côté. L'autre côté, on a pris ce cerf-volant, on a pris la corde, on a pris les câbles d'acier, on les a attachés et on a tiré les câbles d'acier d'autre bord. Comment Dieu a résolu le problème du gouffre de notre péché entre nous et Lui en envoyant Jésus qui est ce pont, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes? Il est le Messie. Et la Bible a dit qu'il est ressuscité et ça implique. Il est mort et sa mort elle est significative. Sa mort elle est significative. Vous savez, 100% des êtres humains meurent. Donc que Jésus soit mort, c'est ordinaire. Non, sa mort elle est significative parce qu'il n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour nous. Hein, je crois déjà avoir raconté que dans un moment donné, dans la deuxième guerre mondiale, des, des soldats dans une tranchée, puis une grenade qui arrive, puis ce qu'un soldat a fait, un jeune soldat, son réflexe a été de se lancer sur la grenade. Il est mort. C'est exactement ce que Jésus a fait. On n'a pas pris la vie de Jésus. Jésus a dit Personne ne prend ma vie, je la donne. Il la donne pour ton péché, pour ta mort, afin que tu sois sauvé. Et il est ressuscité. Hein? La bonne nouvelle concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair. Donc, c'est dans son humiliation. Mais déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté, c'est le Saint-Esprit. Il a été déclaré, la résurrection déclare que Jésus est vraiment celui qui le dit être. Okay. ça veut dire quoi? Imaginons que tu vas chez un concessionnaire à Lamborghini. Okay. tout le monde en est capable de rentrer dans le concessionnaire à Lamborghini. Tu rentres? Parce que tu ne peux pas rentrer, tu sais, il faut que tu rentres assez confiant. Tout le monde est capable. assez là. Quand tu quittes l'église, va au concessionnaire Lamborghini, Tente de le faire. Okay? Tu peux rentrer, c'est pas un problème. Puis là, commence à regarder les Lamborghini. Puis là, tu demandes euh, "Celle-là est combien Puis là, On va dire 1,6 million. Et si je paye cash <laughs> Tu peux faire ça, fais-le. Là, tu te dis "Est-ce que vous l'avez en rouge Ok, je vais la prendre en rouge. Là, cash. Ça va bien jusqu'à maintenant. Tout le monde est capable de faire ça. Là où ça se corse, c'est quand tu vas sortir ta carte. C'est là que ça joue. Donc, transaction acceptée, probablement refusée. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Jésus a dit des choses incroyables. Il a dit qu'il était Dieu, qu'il était Sauveur, qu'il pardonnait les péchés, qu'il contrôlait le temps. Dans l'histoire, tous les grands leaders de religion ont eu des grandes prétentions. Plein de gens. Bouddha a dit des choses, Mahomet a dit des choses, Krishna a dit des choses. Les grands philosophes disent des choses. La différence, c'est que Jésus a baqué. Ce qu'il a dit Il a été baqué par sa résurrection. Il y a de l'argent dans le compte. Il est vraiment celui qui a dit qu'il était. Et maintenant, la balle est dans ton cœur. Regarde. Paul enchaîne en disant, ça amène une réponse. L'Évangile, c'est pas juste un message comme ça, haut de ta tête. Il parle de l'acceptation de l'Évangile. Verset 5. « Jésus-Christ, notre Seigneur... » C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour mener en son nom, à l'obéissance de la foi, toutes les nations. » Vous savez, souvent les chrétiens vont parler de la conversion comme étant « accepter Jésus comme notre Seigneur ». Pourquoi pas dire « Jésus-Christ, notre Seigneur ». Alors que je parle de l'Évangile, je parle de la bonne nouvelle de Jésus, est-ce qu'il y a des gens ici, tu peux dire « c'est mon Seigneur ». Dis « Amen, c'est ton Seigneur ». Amen. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis c'est lui qui nous a donné le mandat d'amener en son nom, donc pour sa gloire, sa réputation, sa renommée, à l'obéissance de la foi toutes les nations. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Paul est en train de dire, puis il va parler de la justification par la foi. As-tu remarqué, Paul parle de l'obéissance de la foi. Parce que dans la parole de Dieu, la foi authentique va toujours produire l'obéissance. Bonnefort va dire, celui qui croit est obéissant et celui qui est obéissant croit. La meilleure manière de voir si as vraiment la foi en Jésus, c'est de regarder à ta vie. Paul est en train de dire que quelqu'un qui suit vraiment Jésus, qui a vraiment accepté Jésus, c'est beaucoup plus que ta foi. Ta foi a des répercussions dans tes œuvres, dans tes actions, dans ton style de vie, dans ton comportement. Est-ce que je pense entendre en amène à ça? Puis ça, c'est un principe. C'est Un principe qui se vérifie partout. Parce que vous savez, des fois, il y a certaines personnes dans le milieu chrétien qui veulent dissocier de la foi et de l'obéissance. Ton obéissance ne te sauve pas, c'est ta foi seule qui te sauve. Mais lorsque tu es vraiment sauvé, le Saint-Esprit te rend obéissant. Est-ce que je peux t'en amène à ça? Et quand quelqu'un n'est pas obéissant, c'est une révélation, ça pointe vers le fait que peut-être que sa foi n'est pas en bonne place. Sauvé par la foi seule, mais le salut produit l'obéissance. C'est comme le mariage. Avez-vous remarqué? Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent oh, On s'aime, on s'aime, on s'aime, Ah, oh, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie Puis tu dis hey, Est-ce que vous considérez le mariage? Oh, pop, 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 pop. <laughs> Non, mais c'est l'homme de ma vie. Ah, euh, je ne suis pas si sûr que ça. Parce que si tu doutes pour t'engager, c'est probablement que tu manques de foi dans cet amour-là. Le mariage. Pourquoi on, les chrétiens ont oublié en se mariant C'est en fait c'est une déclaration de notre foi dans cette relation là. Est-ce que je peux entendre en est-ce que tu es avec moi Quelqu'un qui veut pas se marier, c'est correct. Mais ça révèle quelque chose que tu doutes que ce mariage, que cette relation là peut durer. C'est vrai, celui qui croit va toujours obéir. L'obéissance est une preuve de ta foi, la preuve. À quand on dit à nos enfants c'est un monsieur en voiture qui dit "Viens, je vais te donner des bonbons" Qu'est-ce qu'on va dire? Suis-le pas. Pourquoi? Parce que tu ne le suis pas, parce que tu ne le crois pas. Si c'est papa qui vient, oui, papa est digne de confiance, tu peux suivre papa. Et on apprend à nos enfants de suivre seulement les gens qui sont dignes de confiance. Hein, de la même manière que si sur la rue, je suis sur la rue et un policier vient me voir, quelqu'un me dit, enfin en fait, il me dit, euh, monsieur, veuillez me suivre. Il était bien civil. Je vais dire, ben, non. Il va dire, veuillez me je suis un policier. Okay, Est-ce que je peux voir ta base? Je « Veux-tu voir quelque chose? »« Ah, OK, je te crois, je vais te suivre. »« Mais je ne te souviens pas, si j'ai quelqu'un, j'ai trois gars avec des grosses barbes, des tattoos, qui rouvrent la, la valise d'une vanne noire et disent « Suis-nous! <laughs> »« On veut, on a une surprise pour toi! »« Non, je ne te crois pas! »« Je te crois pas! <laughs> » C'est pourquoi Jésus n'a jamais demandé aux gens de croire en lui. Jésus a demandé aux gens de les suivre. Pourquoi? Parce que quand tu suis Jésus, c'est la preuve que tu crois vraiment en lui. Alléluia! Et Paul continue en disant, « Parmi lesquels... » Donc, il parle de toutes les nations. Et, et j'aime comment la Bonne Nouvelle, elle est inclusive, toutes les nations. Les genre de toutes sortes d'arrière-plans. « Parmi lesquels, vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont été appelés par Jésus-Christ ici? Vous savez... Souvent, tout dépendant de ta perspective, il y a un moment donné où dans ma vie, je dis, j'ai trouvé Dieu. Quand je regarde dans mon histoire, je me dis, à un moment donné, non, c'est Dieu qui m'a trouvé. Ah oui, à un moment donné, je suis arrivé, je dis, je reçois Jésus comme sauveur et, sauveur et seigneur personnel. À un moment donné, c'est comme, c'est lui qui m'a trouvé. J'étais perdu, il m'a trouvé. Et c'est ce que Paul dit. Vous avez été appelé. Puis, puis je veux m'adresser à des gens qui, peut-être tu nous visites, peut-être tu es avec nous depuis peu. Peut-être que tu reviens à l'Église. Vous savez, en, en tant que prédicateur, souvent, quand je prêche, je tente de, 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 de répondre à tes objections. Hein? Je prêche pour les croyants, pour les non-croyants, puis, puis je tente de devancer tes objections puis de te montrer de manière rationnelle. Hein, pourquoi Jésus Seigneur? Pourquoi la bonne nouvelle? C'est la meilleure des réponses. Mais quelquefois, on peut oublier le fait qu'il y a des gens qui sont ici, tu n'as pas, pas besoin d'être convaincu. Tu as simplement besoin de répondre à l'appel de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui sont ici, là, puis il y a quelque chose en dedans de toi qui brûle, il y a quelque chose qui t'attire. Un peu comme lorsqu'on est dans une salle d'attente. On est là, à un moment donné, dans une salle d'attente, il y a plein de gens. Puis à un moment donné, il y a des noms qui sont nommés, puis on ne les entend pas. Puis à un moment donné, on nomme Guéthan Brassard, salle 3. Gaétan Brassard. Il y a quelque chose de. T'émerges. Puis il y a des gens, qui sont ici, puis tu peux venir pendant des semaines et des semaines à être l'impression dans une salle d'attente que ça s'adresse plus ou moins à toi. Il y en a d'autres et ici ce matin, et tu sais que Jésus t'appelle maintenant. Non, il t'appelle maintenant. Renonce, repends-toi, abandonne. Suis-le. Suis-le. N'attends pas. Il nomme ton nom. Il nomme plusieurs personnes ici. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas quiconque dort, qui vient à moi. Il y a des gens, Jésus t'appelle. Viens à Jésus. Amen. Et alors que l'équipe de Louange, vient me rejoindre. Donc, qu'est-ce que l'Évangile? C'est Paul, on va parler de l'auteur de l'Évangile, l'annonce de l'Évangile, l'accomplissement de l'Évangile, l'acceptation de l'Évangile, l'appel de l'Évangile. Hein, la conversion à la nouvelle naissance c'est quelque chose de surnaturel. Hein, pas, les chrétiens, ce n'est pas ceux qui sont plus brillants, qui ont compris ce que les autres n'ont pas compris. Il y a quelque chose de surnaturel qui a changé notre cœur. Je m'entends amène à ça. Et Paul termine avec l'assemblée de l'Évangile. Verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu t'aime. Bien-aimé. Bien-aimé. Ah, il y a des gens là. Tu, tu t es venu à Jésus, Tu doutes que Dieu t'aime. Commence à lire la Bible. Tu vois combien de fois la Bible dit que nous sommes bien-aimés. Ah, il y a des gens autour de nous qui nous ont mal aimés. Dieu nous a bien aimés. Donc, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés. appelés à être saints. Hein, foi obéissance, appelé à être saint, ça à être semblable à Dieu, cest à être consacré, à suivre totalement Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul prend l'accent pour dire que l'Évangile et, et, et pas comme ça, c'est toujours une assemblée. Hein, il s'adresse à l'Église de Rome, puis encore une fois, par le Saint-Esprit, l'Épître s'adresse à l'Église du Portail, par tous les gens qui nous écoutent. Il y a quelque chose de, de lié, puis j'aime ce qu'il dit. Appeler à être saint. Vous savez, quelqu'un m'a déjà demandé, une des choses qui est surprenante quand tu arrives dans une église comme la nôtre, ok, puis j'aurai l'occasion, c'est peut-être un autre message, là, mais surtout quand tu as grandi dans le catholicisme, euh, tu arrives dans une église comme la nôtre, c'est très dépouillé. Hein, c'est comme, il n'y a pas beaucoup, l'accent n'est pas mis sur le bâtiment. Pourquoi? Parce que l'église, c'est pas le bâtiment, c'est les gens. On veut un bâtiment fonctionnel. Euh, puis une des questions qu'on m'avait déjà posées... Quelqu'un m'avait dit, moi, ce qui m'a surpris quand je suis rentré dans une église, pis c une église évangélique comme la vôtre. C est, c est, c est... Quand je suis rentré, moi, pour la première fois, puis j'ai entendu la, la, la bonne nouvelle, c'est ce qui m'avait ch... un, peu, un peu perturbé. Je suis rentré, puis j'ai pas vu de statue. Est-ce que des gens comme moi, on dit, quelqu'un, on t'invite à l'église, tu... vous avez caché les statues avant qu'on arrive sont où, les statues hein, Dans le catholicisme, tu arrives, tu as des statues des saints. C'est comme. Puis une des choses, moi, qui me suis trompé de place pourquoi il n'y a pas de statut de saint? Parce que quand tu as compris l'Évangile, l'Église, ce n'est pas l'endroit où on adore les saints, c'est l'endroit où on fait des saints. C'est ce que Paul dit, vous êtes appelés à devenir saint. Il n'y a pas de statut parce que c'est toi le saint. Dis à quelqu'un de côté de toi, tu es saint. Pas parfait, pas arrivé en processus, en route pour ressembler à Jésus. C'est pourquoi ce qui nous inspire, c'est pas des statues de marbre, c'est des vies réelles, c'est des gens qui continuent à marcher par la grâce de Dieu. Alléluia. Et 70 fois dans le Nouveau Testament, au-delà de 70 fois, l'apôtre Paul parle des saints. Son mot préféré, à le mot chrétien, en passant, se retrouve une fois. Je vais pas te faire de peine là. Une fois, le mot chrétien dans la Bible, une fois. Le mot préféré. Du Nouveau Testament, pour parler du peuple de Dieu, c'est des saints. Des gens, vous serez saints comme je suis saint, mis à part, consacrés, en route, en progression, transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus, qui vivent de plus en plus le fruit de l'Esprit. Et, et j'aime le fait que dans son introduction, l'apôtre Paul, alors qu'il remet les bases, puis il va l'approfondir. Hein, là, vraiment, c'est très, très, je ne dirais pas superficiel, mais. C'est très, l'apôtre Paul commence avec une définition très large, puis on va voir qu'il va rentrer dans la richesse de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Puis il termine avec toujours l'Église, 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 le peuple de Dieu. Et vous savez, ce matin, on va prendre la communion. Et pour nous, le portail, c'est toujours un moment où on, on va toujours mettre l'accent sur deux choses. La communion, c'est l'acceptation de, tu sais, prendre le pain et le vin en mémoire de ce que Jésus a fait. C'est l'acceptation de l'Évangile, mais c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui déclare Je fais partie de l'assemblée de l'Évangile. C'est pourquoi au portail, on dit la communion, c'est un repas pour la, les, la famille, c'est les membres, membres du corps de Christ. Si tu t'es tu joint à nous dernièrement, tu as reçu Jésus, tu arrives d'une autre église, on te demande de faire une demande. C'est quelque chose d'officiel, mais de très spirituel. Pourquoi est-ce qu'on. Parce que des fois, les gens voient des démarches et disent Oh, mais ce n'est pas, pas spirituel. Oui, parce qu'on veut te connaître. On prie pour nos membres, on est engagé envers nos membres, il y a une relation envers nos membres. Donc, si tu t'es joint à nous dernièrement, fais une demande, tu vas rencontrer un pasteur, officialiste, Tu dis moi, non seulement Jésus mon Sauveur et mon Seigneur, je veux, c'est mon Église, c'est mon Église. Pourquoi Parce qu'on réalise que lorsque on, on dit qu'on croit en Jésus, par exemple, on l'a souvent fait comme ça dans le passé au porteur dans plusieurs églises, on prend la communion sans trop se préoccuper des autres. Bien, selon ce que Paul dit, c'est un demi évangile. C'est un demi-évangile. Je ne sais pas pour toi, mais moi je veux pas de demi-évangile. Permets-moi de déterminer avec cette histoire. Plusieurs années, je ne veux pas nommer la personne parce que je veux préserver sa confidentialité. Il y a quelqu'un dans ma famille, dans ma maison, qui est enceinte. <laughs> qui dort dans le même lit que moi. J'en dirai pas plus. Ma femme est enceinte. Euh, puis ma femme est une bébête à sucre, elle aime le chocolat. Puis on nous avait donné à un moment donné... Alors hey, en passant, n'allez pas y dire que je vous ai dit ça, OK? On nous avait donné une belle boîte de chocolat. Des chocolats qui valaient cher. Des, des, des beaux chocolats. Ma femme, elle aime vraiment le bon chocolat, pas le, le chocolat au lait, le bon chocolat. Puis euh, à l'époque, je travaillais à l'usine, donc je m'en vais travailler, je reviens. Puis je décide, après le repas, tu sais, pour le dessert, je dis, ah, c'est vrai, on a des... Des chocolats. Là, je prends la boîte de chocolat. Je, comme, tu sais, il y a comme un petit tiroir. Puis, je, tu sais, puis là, j'en vois un qui est mangé à moitié. Je tu sais, il y en a un deuxième. Là, je tu sais, ils sont tous mangés à moitié. <laughs> Plaza, elle dit, dit, je me sentais mal. Elle dit, elle dit C'était tellement bon, mais je me sentais mal d'en manger un au complet, mais je voulais savoir ce que la boîte goûtait. Fait que là, j'ai une belle boîte de chocolat mangée à moitié. Vous savez, c'est un peu comme ça la communion sans l'Église. C'est que, des gens, tu peux venir, tu peux manger, mais en même temps, on se préoccupe des autres. Et ma femme, a s'est repentie, je l'ai pardonnée, elle a été restaurée par le sang de l'agneau, tout ça. C'est humain <laughs> aussi, mais il y a quelque chose là-dedans, comme, elle sentait mal, pourquoi? Parce que, se disait, bon, mais en même temps, oui, j'ai une moitié, mais c'est parce que c'est vrai que pour les autres. Euh... Puis, vous savez, c'est ça la communion. La communion, c'est non seulement on se réjouit de ce que Jésus a fait, mais on est conscient des autres. On ne veut pas. Une moitié d'évangile. Juste prendre la communion sans être consciente du corps, sans à une Église, c'est comme manger la moitié de chocolat. Comme... Non! Donc, c'est pourquoi au porteur, on met toujours l'accent sur le fait c'est un moment où on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. C'est un moment où on se rappelle que Jésus ne nous a pas sauvés pour être seul sur une île déserte. Il crée une famille et la famille des croyants, c'est l'Église locale. Est-ce que je peux entendre Amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin.